Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un steak sandwich comme un panini. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici du bœuf haché, ketchup, moutarde, comté, un petit peu de beurre, oignon, cornichon, vinaigre de vin rouge, une salade et un petit peu d'huile d'olive. Alors, pour commencer, on va mettre les ingrédients dans le bol de notre petit mixeur. On prédécoupe pas ni rien. Cornichon, oignon, vinaigre, moutarde, ketchup et l'huile d'olive. On referme et on met sur notre robot. Là, hop, on bloque et on est parti. On va d'abord former notre steak. Donc on n'a pas peur de travailler dans l'épaisseur. On essaye de visualiser un petit peu la tranche de pain. Hop, on est juste parfait. On refait une autre, même épaisseur. Donc, on a besoin encore de s'occuper du fromage. On prend un petit peu du mélange de chaque côté, le haché sur la tranche de pain, on referme, on presse, on prend un morceau de beurre, une fourchette, un beau morceau, hop, on vient généreusement beurrer l'endroit où l'on va mettre le pain. Regardez. Pareil sur le dessus et on ferme et on va laisser cuire pendant quand même 4 à 5 minutes. On n'hésite pas pendant la cuisson de notre steak sandwich à ouvrir et regardez ce que je fais, je viens nourrir un petit peu. Ça m'évite d'avoir trop de beurre mais de mettre juste ce qu'il faut en fait. Hop, je passe dessus, je nourris, ça permet d'avoir du croustillant et pas du cassant et pas quelque chose de sec surtout. Regardez ça, mettez ça sur votre planche et vous coupez ça simplement en deux. Regardez, on est juste cuit un peu autour, on est encore rosé au centre. Et ça, croyez-moi, ça c'est succès garanti. Regardez. J'aime beaucoup, surtout quand le pain est bien choisi, surtout quand on l'a nourri au beurre au fur et à mesure de la cuisson. Donc, étant donné que j'en suis fan, j'attends vos recettes. Vous nous les envoyez bien sûr sur la page Facebook de Martin Bonheur, qui est toujours la vôtre. Bon appétit.